Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais installez-vous confortablement comme d'hab, le petit truc à boire, le petit truc à manger, posez-vous et aujourd'hui, vous l'avez lu le titre, c'est écrit, fais pas ça, et je vous le redis encore quelques secondes après avoir lancé ce record, fais pas ça mec, ou fais pas ça meuf, peu importe, parce que vous savez très bien ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais partir invoquer sur le portail qui est arrivé aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau LR qui est arrivé sur la globale, c'est Goku et Piccolo, Arc Saiyan, il fait un Makan Kosapo. Tout le monde, normalement, si vous êtes connecté sur le jeu, vous avez vu leur attaque spéciale, parce qu'ils l'ont montré de force pour vouloir vous tenter d'invoquer dessus, mais résistez, ne cédez pas à la tentation parce que on arrive en fait sur la dernière ligne droite, là ça y est, hein. À partir du 1er juillet, je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant et ce sera peut-être votre premier anniversaire sur le jeu, vous allez vivre une dinguerie les gars parce que il y a le compte à rebours à partir du 1er juillet et à partir du 7, ça y est, c'est l'explosion, c'est la folie, c'est la totale, il y a deux des plus gros portails de l'année qui vont arriver, si c'est même pas eux d'ailleurs les deux plus gros portails de l'année, il y a un nombre de LR incroyable et en plus de ça, c'est tous des bons LR. En plus de ceux des 7 ans, avec le Gogeta SSJ4, avec le duo SSJ God, les gars, j'ai vraiment trop hâte que ça arrive. Là, il reste encore deux petites semaines à patienter. Donc, très clairement, si vous avez des DS à balancer, ne le faites pas sur ce putain de bait. Ils ont tout fait pour vouloir faire en sorte qu'on ait envie de craquer. Il y a des promotions sur les 3 premières multi. Tu te dis, ouais, vas-y, je claque que 100 DS et tout. Non. Vraiment, gardez-les. Imaginez que vous avez ce portail devant vous et le portail des anniversaires. Même pas avec un bâton, vous le toucheriez. Même pas, vous cliquerez sur la bannière. Vous feriez rien du tout dessus. Donc, n'invoquez pas. Après, je peux pas plus vous empêcher que ça, hein. C'est comme vous en avez envie. Moi, évidemment, vu que je fais des vidéos sur le jeu, j'ai quand même envie d'invoquer, je vais invoquer, mais c'est pas le bon exemple à suivre. Normalement, je serais même pas censé, en vrai de vrai, sortir cette vidéo, mais si je drop rien, au moins, peut-être que ça dissuadera certains de vouloir invoquer. Je sais qu'en ce moment, en plus, j'ai énormément de chance sur les portails. Limite, là, si je drop pas, ça serait positif parce que je me dis que c'est bon, tout mon karma négatif, il va partir sur ces invocations et ma luck, elle reviendra pour le portail des anniversaires. J'ai pris des tickets, je rappelle qu'ils sont payants. On a 5 multi du coup ici, parce que 5 x 5, 25, avec 5 personnages à chaque fois. Et ensuite, je balancerai les 3 cycles soldés sur le portail, mais pas plus. La vérité, les gars, là, je m'y engage, il y aura pas de live où je craquerai une nouvelle fois ou quoi que ce soit. Non, là, c'est sûr de sûr, les gars. Pas de craquage, rien du tout. Et on est parti. Première multi-invocation, du coup, avec un petit Trunks, un petit Tenchinhan. Il y a un long Kamehameha. Et long Kamehameha, il me semble que ça veut dire LR parce qu'on est sur un portail où, justement, ce genre d'animation, vu qu'il n'y a pas de Dokkan Fest, c'est LR. Et dropper un LR sur la première multi, première carte, ça se... Bon les gars, c'est une vidéo en full démarrer l'enregistrement, d'accord? Il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage. Non, c'est trop là. Là. Les gars, je sais pas quoi dire là. La vérité, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, regardez dans ma playlist des dernières vidéos que j'ai sorties, regardez les miniatures et regardez les titres à chaque fois. C'est impossible, genre là... Putain... Première multi, Goku Piccolo, pour de vrai. Bon... J'ai prévu en plus ce soir de reprendre les streams, parce que ça fait quand même un certain moment que j'en avais pas lancé et que j'étais plus trop régulier. Je vais pas trop étaler ma vie non plus, mais en gros, IRL, il se passe des choses très positives. Je me concentre un petit peu plus sur moi-même et je prends les devants sur certaines choses, etc., qui font que, on va dire que ça va très très bien en ce moment. Et du coup, j'ai privilégié un petit peu plus moi-même que le travail. Mais là, ça va reprendre le charbon en force, donc... Si vous m'écoutez en ce moment même, sachez qu'aujourd'hui, ce lundi 20 juin 2022, je serai en live à partir de 21h et certainement à partir de quasiment tous les autres soirs aussi. On va essayer de revenir un petit peu plus actif.
Oh là là. Le lien Twitch, il est dans la description au passage. Si tu veux me follow sur Twitter, tu peux, Askip. Ça donne beaucoup, beaucoup de chance et ça augmente les taux de drop de 1 milliard de %. Double craquage, paf paf, ça faisait longtemps en plus que je l'ai pas vu, mais putain, je suis en train de faire une compilation de toutes les plus grosses animations du jeu, en fait, là, c'est incroyable, hein. Et attention, oh là 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 là, le doublon du Thanès qui vient de tomber, bordel. Ah, c'est quelque chose quand même, cette VOD, les gars. Je m'attendais pas, la vérité, à dropper quoi que ce soit. Et pourtant, on a réussi à dropper deux des trois personnages du détecteur. Hein. Il manquerait plus que le troisième pour boucler la boucle. Mais là, très clairement, je pense qu'on est encore sur une masterclass. Et j'ai nommé le titre de ma vidéo « Fais pas ça ». Mais peut-être que le titre, il va changer, en fait, au vu de la tournure des choses. Putain, mais c'est... Limite, je me dégoûte moi-même. Je sais que là, il y en a qui vont avoir le seum quand ils verront cette vidéo. Et je commence aussi à me dire que là, je vais me faire de plus en plus d'ennemis, en fait. Parce que, char droppé, moi, ça me va, hein. Plus je drop tôt, c'est bien, mais... C'est trop, là. C'est très, très grave, hein. Animation, potentiellement détecteur, potentiellement LR, Tenshinhan, Shaozu, Yamcha. Bon, j'imagine pas du tout un SSJ God arriver parce que, très clairement, un SSJ God, quand t'as que 5 personnages sur la multi, il y a très peu de chances que ça arrive. Normalement, là, on est sur un détecteur et peut-être que si on a de la chance. Ah, dommage, j'allais dire et ça aurait pu être trop trop bien. Ça aurait pu être le Piccolo explosé contre le sol, là, le support Saga Namek parce que. Au vu du nombre de doublons que j'ai, moi, dans la box sur lui, j'aurais bien aimé le dropper, parce que ça me l'aurait fait passer à 100% ou à 3 doublons, et il y aurait eu un showcase foireux dessus, et d'ailleurs, le portail, putain, en vrai, il est tellement nul à chier, genre, à part les nouveaux LR, enfin, le nouveau LR, et même les 3 LR sur la bannière, c'est genre des LR, de toute façon, que vous allez avoir dans le hors détecteur quand il va avoir la multi offerte pour les 7 ans, la grosse multi avec les LR garantie. En LR partie 2, ils seront aussi sur la bannière. Tu peux déjà les acheter. Enfin, tu peux déjà acheter 2 des 3 avec des pièces jaunes. Ça vaut tellement pas le coup d'invoquer. À part si c'est des tickets que vous êtes cash player, à la limite. Mais bon, après, je conseillerais jamais à personne de mettre de l'argent dans le jeu. Économisez votre thune, c'est bien mieux de toute façon. Jouez de manière free-to-play, chill and flex. Et même si les unités là hors détecteur, il y en a quelques-unes qui ont des ZTUR et qu'on pourrait se dire ouais ça va c'est bon, le portail pue la merde comparé à un portail anniversaire ou même si ça avait été un portail de Canfest à la limite je vous aurais dit ouais peut-être que ça peut être tentant parce que il y a des personnages sur le détecteur, t'as envie de tenter ta chance, tu peux dropper des leaders de catégorie, ça peut être cool mais... Sinon, sur ce genre de portail, c'est juste OSF complet. Il y a eu un Shaozu avec un Vegeta. Dommage que le Vegeta, il n'ait pas voulu fusionner. Là, honnêtement, je m'attends pas à dropper quoi que ce soit. Oh, la Zangia, en vrai, par contre, c'est bien parce qu'il me semble pas que je l'avais Rainbow. Et il me semble d'ailleurs qu'il me manquait peut-être que un ou deux doublons pour pouvoir la passer 100%. Donc c'est très très cool. Et le Garlic Junior, les gars, je l'avais pas. Oh, c'est incroyable. Ah si, je l'avais. Ah merde, putain, j'ai tellement pas l'habitude de voir son artwork et son vieux crâne chauve, là. Ok, bon, bah du coup, ça me fait un doublon du Garlic Junior. C'est cool, je crois que je l'ai jamais joué de ma vie. Je l'ai Dokkan, mais il a jamais été testé dans ma box. Ça sera l'occasion, peut-être, à un moment donné, de vous sortir un petit showcase avec lui. Maybe. Ok, on a Whis. Bon, Whis, il est remonté dans le temps la dernière fois. Là, je m'attends pas à ce qu'il fasse pareil. On a eu quoi, là, dans l'animation? Shaozu. Avec Krillin, avec Whis, enfin, que des personnages qui ont aucun rapport, non? À mon avis, cette multi, elle va être poubelle, hein. Dites-vous que j'aurais pu m'arrêter quand même à la première multi et dire au portail ciao. Et pourtant, là, je suis quand même encore en train de continuer d'invoquer juste pour me dire que je termine le cycle. Mais si ça tenait qu'à moi, je me serais empêché de faire ça. C'est la dernière multi, la DRDDR. Après ça, il n'y aura plus rien. Même si ce soir, je rebalance un live, les gars, il n'y aura pas de craquage, d'accord? Je vous le dis direct. Là, toutes les DS qui me restent, c'est full économie. Ce serait bien quand même que j'arrive à dropper un dernier personnage cool sur cette dernière multi, en vrai de vrai. Genre, je dis pas qu'il me manque toujours deux doublons sur le Blagokuro ZLR pour pouvoir le Rainbow, ou que par exemple, il me manque toujours l'autre, Goku et Piccolo, à dropper pour avoir quasiment tous les LR sur la globale. Et il me semble qu'avec le nombre de multi que j'ai balancé là... J'ai 1000 pièces jaunes et si je le veux, en fait, là, je pourrais avoir tous les LR du jeu en achetant les deux derniers qui me restent. Mais je pense que je vais plutôt les économiser. Je sais pas pour quelle occasion, mais pour l'instant, on va les garder.
Et puis voilà, hein, je pense que... Enfin, encore une fois, c'est un petit veni vidi vici, hein, mine de rien. J'avais dit que c'était 100 DS, les cycles soldés. C'est un petit peu plus que ça. Je crois que c'est 115 finalement, parce que là, il me reste 75 et c'était 190 que j'avais à la base. Ou 195, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, je vous le répète, faites pas ça, les gars. Même si moi, j'ai droppé, dites-vous que c'était sur des tickets. Vous avez vu que mes multis en plus, avec les DS, c'était de la full chiasse. J'ai juste eu un petit peu de chance. J'espère que ça me portera pas trop trop karma quand même pour les 7 ans. Je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch à 21h les gars. On fera pas que du Dokkan à mon avis. On va plutôt aussi bien parler ensemble. Je vous raconterai ma vie, ce qui s'est passé dernièrement. Et puis, je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.